suis très honoré de participer à ce colloque consacré à la Christologie et la Trinité chez les Pères de l'Église, en remerciant le professeur Marie-Anne Vanier pour son invitation à parler d'Élisabeth de la Trinité et les Pères de l'Église. Je voudrais tout d'abord commencer par une authentification de l'expérience trinitaire. Si la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, jeune carmélite dijonnaise née au camp militaire d'Avord dans le Cher le 18 juillet 1880 et décédée le 9 novembre 1906, a écrit une prière intitulée « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore » le 21 novembre 1904. Mais il n'empêche qu'Élisabeth de la Trinité ne parle jamais des Pères de l'Église. Elle fait sienne des citations de sainte Thérèse d'Avila, de saint Jean de la Croix, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, du bienheureux Jean Rusbrock, de saint Angèle de Foligno, mais en aucun cas des Pères de l'Église. Alors, que penser de mon intervention au sein de ce colloque consacré aux Pères de l'Église? Alors, que vous dire? Mon propos ne va pas être de démontrer les sources des Pères de l'Église qu'elle a peut-être pu écouter lors des conférences du Dominicain, le Père Vallée, en 1897, 1900, 1901 et 1902, dont les originaux sont conservés au Carmel de Dijon. Mon propos ne va pas être de construire d'éventuels liens que l'on peut subodorer, mais dont aucune trace ne pourrait être authentifiée, ni même justifier une hypothèse. À travers les enseignements du Père Vallée, dont l'influence est incontestable, de ses écrits, des œuvres complètes d'Élisabeth de la Trinité, il faut en prendre acte, il est impossible d'établir un quelconque lien théologique et spirituel entre Élisabeth de la Trinité et les Pères de l'Église. Tout du moins, intellectuellement fondé dans un rapport immédiat. Et je voudrais partir de ce point pour lancer mon commentaire. Même si Élisabeth de la Trinité n'a pas de convergence directe, immédiate, avec la théologie trinitaire des Pères de l'Église, il n'empêche, et c'est à partir de là que l'on peut fonder un commentaire solide, qu'on peut procéder à une authentification par l'expérience. La prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore » n'est pas une œuvre théologique au sens strict du terme. Ce n'est pas non plus une œuvre littéraire, composée pour une circonstance particulière à laquelle le Carmel s'adonnait avec joie lors des pieuses récréations. C'est un texte écrit, selon le propre témoignage de notre bienheureuse, d'un seul jet, sans aucune retouche, classé dans les notes intimes, c'est-à-dire les textes émanant vraiment de l'intériorité, parlant presque de ce que l'on appelle le fort interne. Cette prière a été écrite à la suite d'une oraison. À la rigueur, quoi de plus naturel pour une carmélite qui faisait 2 heures d'oraison par jour que de mettre par écrit les motions spirituelles que l'on peut partager ensuite avec le confesseur pour y discerner les traces de l'Esprit-Saint. Je propose qu'à travers le commentaire, nous puissions y discerner une sorte de familiarité lointaine avec les Pères de l'Église, sous forme d'harmonique lointaine ou d'écho lointain. Je vous propose aussi que nous puissions discerner qu'à travers cette prière, notre bienheureuse a fait une expérience trinitaire dans son histoire de jeune carmélite vivant en pleine crise de séparation de l'Église et de l'État. Et que cette expérience se cache et qu'elle est comme voilée derrière ce texte qu'elle nous a laissé. Par analogie sacramentaire,
Je dirais volontiers qu'à travers ce texte, Élisabeth de la Trinité laisse un signe qui, dans la foi, nous permet d'authentifier le bien fondé de cette expérience spirituelle personnelle et ainsi d'attester que l'enseignement qui s'en dégage est en conformité avec la tradition vivante de l'Église, dont les pères sont des éléments incontournables. Une autre analogie peut être pertinente, la musique. Puisque notre bienheureuse bénéficiait d'un aura hors du commun. La petite prodige du piano, qui en 1894, à peine âgée de 14 ans, jouait avec une aisance incroyable les plus grandes pièces virtuoses du répertoire de son temps, la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt, Chopin. On la voyait déjà faire une carrière musicale, puisque même Paris avait entendu parler de la petite prodige de Dijon. Lorsque l'on frappe une note au piano en laissant la pédale de résonance, on peut y entendre, très discrètement, toutes les harmoniques, parfois même à la limite de l'inaudible. Par analogie, nous verrons qu'Élisabeth de la Trinité, à travers son texte, fait entendre des harmoniques lointaines de la théologie trinitaire des Pères. Je propose de nous mettre à l'écoute de cette prière et de partager les quelques harmoniques que je crois avoir entendues, à savoir l'écriture de type musical, le double fondement scripturaire et liturgique, ensuite la théologie de la prière trinitaire, et, comme synthèse, une ouverture anthropologique. Une écriture de type musical. Élisabeth de la Trinité a rédigé une œuvre composée d'un journal entre 1899 et 1900, d'une correspondance de 342 lettres, de 123 poèmes, de 4 traités spirituels et de 17 notes personnelles dites « notes intimes ». Je rappelle que ces notes intimes, pour le coup, n'étaient destinées à personne. Élisabeth les rédigeait, les conservait dans sa cellule et elles n'ont été finalement découvertes qu'à titre posthume. C'est ainsi que la prière au mon Dieu Trinité que j'adore, qui occupe notre propos, fait partie de ces notes intimes que l'on a découvert une fois qu'elle était décédée. Et enfin, elle rédigea volontairement une lettre posthume adressée à sa prieure, Mère Germaine. La lecture continue de son œuvre donne réellement à entendre. Paradoxe de la musicienne contrainte par les obligations du Carmel à ne plus faire de musique et à chanter uniquement pour les offices et les récréations spirituelles. Comme je l'invoquais dans l'introduction, la dimension musicale n'est certainement pas un divertissement bourgeois que l'on rangeait au placard une fois les mondanités terminées. Élisabeth Cathez, de son nom de jeune fille, est une musicienne reconnue et prisée. Et on ne peut faire fi de cela. Et j'irai jusqu'à dire que si l'on n'essaie pas de comprendre son œuvre, ses écrits, à travers le prisme de la musique sous toutes ses composantes, on n'entendra pas grand-chose. On ne saisira qu'une infime partie. L'autre partie restera sans résonance. Élisabeth Cathez est une musicienne complète. Maturité précoce, virtuosité et intériorité d'interprétation pour le répertoire de son temps, en particulier le répertoire romantique allemand, excellente oreille, d'après ses résultats de solfège et d'écriture, dont les exercices sont conservés au conservatoire de Dijon. Humainement, que va devenir cette composante structurante de sa personnalité lorsqu'en août 1901, à 21 ans, elle entre au Carmel où l'ensemble des offices ne se chante qu'en recto tono, sur deux notes de temps en temps. Même à la messe,
La communauté ne maîtrise pas trop le grégorien et les antiennes, dites troïtes, d'offertoire, de communion, sont quasiment cantilées comme pour la psalmodie de l'office. Bref, imaginez le choc, auditif celui-là. Passer des riches harmonies du romantisme allemand, de Schumann qu'elle appréciait, de la suavité de Frédéric Chopin, dont son interprétation mettait les larmes aux yeux de ses auditeurs d'après les commentaires des récitals qu'elle donnait, de la force évocatrice de Franz Liszt, à ce que je viens de vous décrire au Carmel, c'est presque passer d'un oasis très fertile à l'aridité d'un désert. Humainement, comment a-t-elle pu tenir? Ou plutôt, qu'est devenue cette richesse musicale? Force est de constater qu'elle ne se plaint jamais de cette ascèse musicalement très austère. La conversion profonde de sa personnalité va se traduire dans sa vie de religieuse orante et dans ses écrits. La musique se situe alors entre deux éléments, l'écoute et l'écriture. Élisabeth de la Trinité va écouter et elle va écrire. Elle va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et des grandes figures du Carmel pendant sa vie d'oraison continuelle, selon le souhait de Sainte Thérèse d'Avila pour ses sœurs carmélites déchaussées. Elle va écrire des textes qui en fait sont plus à entendre qu'à lire. L'oraison et l'écriture scripturaire seront les nouveaux vecteurs de sa sensibilité musicale. Et si par comparaison, Élisabeth allait mettre sur le papier ce qu'elle a entendu, un peu comme une dictée musicale. Si en bonne musicienne, après une écoute attentive, elle allait essayer de transcrire, de traduire la musique intérieure, cette fois-ci, de ce qu'elle aura entendu dans la prière. Voilà des questions bien légitimes. En revanche, d'un point de vue stylistique, elle écrit dans le style sucré de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle écrit vraiment à la manière de son temps, sans pédanterie ni coquetterie syntaxique. Elle écrit bien, mais son style n'est pas un chef-d'œuvre, ni même une prouesse, en particulier les poésies. Elles sont simples, et les rimes sont parfois presque faciles. Par contre, on peut noter quelques originalités. Elle donne du rythme à ses phrases. C'est-à-dire que par moments, on a l'impression d'une prose non mesurée, mais qui tend à le devenir. Ce rythme se retrouve grâce aux répétitions, et en particulier la structure en chiasme, qu'elle utilise très fréquemment. Par exemple, dans la prière « Ô mon Dieu Trinité que j'adore », l'analyse structurelle suggère ce point de vue. Si le style littéraire n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et pertinent, la mise en forme de son mode d'expression l'est bien davantage. Quand je dis « mise en forme », je voudrais mettre en lumière la matrice compositionnelle de son écriture. Cette dernière justifierait le fait de dire que notre bienheureuse n'a écrit en fait qu'une seule œuvre. Par analogie musicale, son œuvre serait comme une symphonie, dont chaque recueil constituerait un mouvement particulier. Mais comme dans toute symphonie, on met en ordre les thèmes principaux, secondaires, pour en faire un discours en les développant, en les superposant, en les confrontant. Élisabeth de la Trinité semble intuitivement opérer de la même manière. Il y a des thèmes qui reviennent régulièrement, qui se croisent, qui s'entremêlent. On peut les remarquer lorsqu'on prend le temps d'écouter ses écrits. Les thèmes sont comme harmonisés, c'est-à-dire que dans chaque recueil, chaque lettre, chaque poème, l'un des thèmes spirituels sera abordé avec un environnement différent. De manière diachronique, ce procédé d'écriture permet de mettre en lumière un aspect du thème spirituel ainsi traité.
Et l'interaction de ces harmonisations va comme générer une structure de sens, ce qui va conférer au thème initial une richesse de compréhension et d'interprétation. L'analyse synchronique permet justement ce recul nécessaire pour saisir tous les champs des possibilités pour un travail herméneutique. Mais faisons un pas de plus. La matrice compositionnelle semble être comprise comme une symphonie utilisant la forme cyclique. N'oublions pas qu'Élisabeth de la Trinité n'est pas un anachronisme ambulant. Elle ne vit pas en décalé par rapport au goût et au mode de son temps. Elle vit à une époque où, musicalement, César Franck, compositeur majeur de cette période, disparu subitement en 1890, développe cette idée de la forme cyclique et l'érige en principe savant de composition. D'ailleurs, l'ensemble de l'école française d'orgue va la reprendre à son compte. Ce procédé d'écriture est déjà en germe en Allemagne, surtout chez Beethoven, dans sa célèbre symphonie dite héroïque. Le principe compositionnel est à la fois simple et complexe. Simple, parce que les thèmes se génèrent les uns des autres. Le devenir d'un thème dépend de celui qui le précède. Imaginons une symphonie où le premier mouvement fait entendre un thème A. On le développe. Puis on isole quelques notes, une incise du rythme. De ces quelques éléments, on génère un nouveau thème B, issu de A, mais autonome, et qui sera traité dans le deuxième mouvement, et ainsi de suite. Et cela devient à la longue complexe lorsque l'on enchaîne 5 ou 6 mouvements. La lecture synchronique de l'œuvre fait bien apparaître cette matrice compositionnelle de type cyclique pour rédiger ses écrits. Les thèmes majeurs qu'elle aborde dans son œuvre semblent découler les uns des autres, ou tout du moins, ils sont en lien. Il y a réellement une cohérence interne dans son œuvre, une unité assez audible, tout en ayant un sentiment de non-répétition et de développement permanent. La prière qui occupe mon propos est à elle seule, dans cette symphonie, un mouvement particulier qui résume et qui synthétise tous les thèmes généraux qu'elle développe. C'est un peu par analogie musicale une strette, le principe d'écriture visant à faire entendre de manière très rapprochée tous les thèmes développés auparavant. Cette prière, datant du 21 novembre 1904, alors qu'elle est déjà malade, est presque comparable à une clé de voûte de son œuvre. Même ce qu'elle écrira après semble lui être rattaché. Il y a bien chez elle un élan initial de rédaction qui va générer des thèmes précis au cours du temps, qui, mis en synergie, ouvre une perspective herméneutique assez impressionnante. Notons au passage qu'Élisabeth de la Trinité parle du temps d'une manière assez étonnante pour quelqu'un qui n'est ni théologien ni philosophe. En août 1906, elle le définit ainsi, je cite, « Le temps qui est l'éternité commencée, mais toujours en progrès. » Acte manqué ou non ? Toujours est-il qu'elle est en phase avec des conceptions philosophiques de son temps. En effet, la matrice compositionnelle précédemment décrite n'est pas propre à l'art et à la musique. Le philosophe Henri Bergson, de la génération précédente, celle de notre bienheureuse, dans son ouvrage « L'évolution créatrice », met bien en lumière cette conception. Il développe la conception de « devenir » aussi bien que celui d'élan. Il évoque l'idée d'un élan originel qui va passer d'une génération à l'autre. Il met en lumière le concept de mouvement. Pour l'expliciter, il utilise également la comparaison avec l'artiste qui peint un tableau. L'artiste qui est en train de peindre confère par son geste l'élan initial. Puis deux attitudes existent pour ceux qui regarderont l'œuvre terminée. Soit on regarde de loin en n'y voyant que les traits généraux, vision finaliste, comme le nomme Bergson, soit on regarde de très près avec tous les détails de la touche, vision mécaniste, ainsi nommée par Bergson. Or, ces deux attitudes sont souvent opposées.
C'est ainsi que le concept de mouvement permet de faire le lien, d'unifier les deux attitudes et de donner une cohérence interne et une dynamique. Je vous propose d'analyser les récits d'Élisabeth de la Trinité avec ces deux catégories, la vision finaliste et la vision mécaniste. En ayant supposé une matrice compositionnelle de rédaction de type cyclique, à nous de retrouver l'élan initial qui a permis à Élisabeth de la Trinité d'écrire, puis de percevoir ce mouvement interne. Cela est nécessaire. Parce que si nous lisons l'œuvre de notre bienheureuse de manière finaliste, on se rendra compte que les thèmes abordés ne sont pas très nouveaux, ni même originaux. Si on lit l'œuvre de manière mécaniste, on verra que dans les détails, les lettres et les poèmes ne sont pas très intéressants du point de vue stylistique. Ainsi, c'est le mouvement interne qui va nous permettre de savourer l'intérêt et la dynamique de ce que notre bienheureuse a perçu de la Trinité. Alors, mettons-nous en quête de cet élan initial et de ce mouvement à travers le texte de la prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore !» Fondement scripturaire. L'élan initial est assez simple à trouver. C'est son prénom et son nom de profession religieuse. Dans le journal datant d'avant son entrée au Carmel, elle écrit à plusieurs reprises, en particulier au chanoine Angle, combien son prénom a du sens pour discerner l'orientation de sa vie. Elle veut devenir maison de Dieu. Or, n'est-ce pas une définition même de son prénom selon sa racine hébraïque? Son prénom de baptême donne sens à sa vie et l'oriente dans son choix de devenir religieuse. Sa mère étant opposée à sa vocation, elle ne l'autorisera à entrer au Carmel qu'à sa majorité. Malgré ce premier frein, Élisabeth gardera en secret ce désir et va lui donner profondeur et maturité. Sa vie spirituelle de jeune fille s'oriente bien dans cet élan initial biblique, devenir maison de Dieu. Par exemple, dans une lettre au chanoine Angle, qu'elle écrit depuis le Carmel, elle désire tellement être maison de Dieu qu'elle va lui demander de reconnaître Jésus à travers son portrait, puisque c'était à ce dernier qu'elle pensait lorsqu'on prenait la photographie. Cet élan initial est aussi théologique. Dès le début de son noviciat, lorsqu'il va falloir songer à trouver un nom de profession, elle voudra garder son prénom de baptême, mais en y ajoutant « de la Trinité ». Elle écrivit dans une lettre avant sa profession qu'elle voulait devenir « maison de la Trinité ». En prenant appui sur un commentaire exégétique de son prénom biblique, nous verrons par la suite que l'écriture et la théologie sont en lien étroit dans cette prière. Le mouvement, dans son œuvre, va utiliser ce vecteur des Écritures en reprenant point par point, ligne par ligne, la prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore » de notre bienheureuse, on peut concrètement y entendre ces harmoniques bibliques. Les références scripturaires y sont vraiment sous-entendues. Le terme « paix » et tous les synonymes reviennent régulièrement et dans la prière, comme dans son œuvre, pour évoquer la vie eschatologique. N'est-ce pas les harmoniques de l'attente messianique et du règne du Messie? Appelez la paix sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, advienne la paix dans tes murs, que soient paisibles tes palais, chante le psalmiste dans le psaume 122, les versets 6 et 7. Son humanité devient un lieu biblique où se vit le salut et où s'actualisent les postures humaines emblématiques des deux testaments. Par exemple,
L'attente se décrit dans cette prière par l'adjonction des termes « éveillez » en parlant d'elle et « venez » en parlant de Jésus lui-même. Elle se met dans la posture physique, biblique de l'Ancien Testament. On veille, on attend que le Seigneur vienne. Son âme est comparée à un lieu où Dieu lui-même semble se reposer. Ici, elle reprend bien la thématique biblique du berger de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, mais à ceci près qu'elle change les postures. Le livre des psaumes nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. » Psaume 23, versets 1 et 2. Ici, c'est l'humanité d'Élisabeth, ce qui constitue sa personne, qui est ce pré où le Seigneur lui-même vient se reposer. Elle dit qu'elle veut passer sa vie à écouter, à se faire tout enseignable. N'est-ce pas ici la posture biblique du Deutéronome et du célèbre Shema Israël ? Au chapitre 6 du Deutéronome, les versets 4 à 8. Attitude fondamentale de pré-séance, de l'écoute à l'action de parler. Ou encore ce psaume, « Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. » Psaume 45, les versets 11 à 12. Ou bien cet autre psaume disant « Venez, fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. » Psaume 34, verset 12. Lorsqu'elle parle de Jésus, elle se situe dans la tradition joannique. Elle parle pour lui de Verbe, parole de Dieu, se situant ainsi dans le prologue de l'évangile de Jean. Elle parlera de lui en termes d'adorateur, de sauveur, ce qu'il appela dans le contexte de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est cette posture du Nouveau Testament, thème très cher à l'école joannique, qu'elle va elle-même adopter en disant qu'elle veut être adorante. En disant adorante plutôt qu'adorée, elle confère à cette posture une attitude profondément dynamique. Elle est en mouvement d'adoration perpétuelle. C'est un élan de vie, pourrait-on dire. Mais lorsqu'elle parle de Jésus, elle se situe également dans la tradition sponsale de l'Ancien Testament. Elle veut être épouse. Elle veut aimer son Seigneur. Dans son œuvre, cette allusion est assez claire au Cantique des Cantiques, dont la lecture donnait lieu à de belles lettres. Par exemple, dans une lettre adressée à ses tantes Roland, elle décrit que le dimanche de Pâques, au lever du jour, après avoir célébré la messe de la résurrection à 5h du matin, les carmélites se rendaient en procession, avec 10 cierges à la main, dans le jardin du cloître et le sillonnaient en silence. Élisabeth décrivait cela comme une sorte de mise en scène sacrée de Marie-Madeleine qui cherche son Seigneur au matin de Pâques. On trouve ça au chapitre 20 de l'évangile de Jean, les versets 11 à 18. Mais tout en l'interprétant dans une dimension sponsale, comme la figure de la bien-aimée du Cantique des Cantiques qui cherche celui que son cœur aime. Chapitre 3 du Cantique des Cantiques, verset 2. Et elle cherche celui que son cœur aime dans un jardin, l'entendant, mais ne le voyant pas, si ce n'est le voir dans la foi. Lorsqu'elle parle de l'Esprit Saint, elle synthétise les deux testaments, la référence du feu consumant que l'on retrouve dans les promesses et l'alliance divine dans le livre de la Genèse, les chapitres 15, versets 7 à 21, avec Abraham et ce feu qui devait brûler, consumer des offrandes. Elle parle de l'Esprit Saint avec une dimension sacerdotale, sans oublier la théophanie du livre de l'Exode, avec l'épisode du buisson ardent. Exode chapitre 3, les versets 1 à 6. Puis, elle dit que c'est un esprit créateur qui permet la connaissance, à la fois en lien avec la prophétie d'Isaïe, qui décrit les noms que l'on peut attribuer à l'Esprit Saint, Isaïe 11, versets 1 à 9, et avec la Genèse, qui est à l'œuvre à la création du monde. Genèse 1, versets 2 et 7. Curieusement, elle ne fait pas beaucoup de référence à la Pentecôte.
Pour le coup, elle serait plutôt du côté de l'Ancien Testament. Par contre, c'est l'Esprit qui permet l'incarnation, lien direct avec les récits de l'enfance et en particulier l'Annonciation, Luc 1, versets 26 à 38. Ce thème sera repris lorsqu'elle parlera du Père, en reprenant la formule de l'Ancien Testament mise dans la bouche de Gabriel au moment de l'Annonciation. Couvrez-la de votre ombre. Pour le Père également, elle se situe plus au niveau de l'Ancien Testament. Enfin, elle parle avec insistance de sa transformation pour devenir un autre Christ. Lorsqu'elle écrit « Que ma vie soit un rayonnement de votre vie, ne voyez en elle que le bien-aimé. » Ici, la référence aux écrits pauliniens est assez évidente. Je cite « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », écrira-t-il aux Galates, chapitre 2, verset 20. La vision paulinienne de la kénose, en Philippiens 2, versets 1 à 11, est ici subtilement décrite, puisqu'elle demande au Christ de la submerger, de l'envahir, bref, de venir en elle. Elle demande au Père de se pencher vers elle. L'attitude des deux personnes divines est ici claire. Un mouvement descendant, de condescendance, pourrait-on dire. Voici en quelques lignes une approche biblique dont on peut constater qu'elle est très riche. Mais également, on peut y entendre déjà quelques fêtes liturgiques. On a parlé de l'Annonciation, mais il y en a d'autres. Fondement liturgique. Il y a différentes fêtes liturgiques qui non seulement sont sous-entendues, mais qui sont des éléments qui mettent Élisabeth en mouvement. Nous avons vu combien son œuvre a comme élan initial son nom de baptême et le concept théologique de la Trinité. Or, ce qui semble la mettre en mouvement, c'est la liturgie. Surtout au niveau du calendrier, l'art de prier à travers le temps. Commençons par le calendrier liturgique. Quelques fêtes sont résolument importantes dans ces récits. Bien sûr, le dimanche de la Trinité, la fête du Saint-Sacrement, la fête de Noël, l'Épiphanie, l'Immaculée Conception. Elle écrit sur ses thèmes favoris lorsque la fête liturgique le permet. Dans ses lettres, elle va commenter la fête pour y enraciner ses thèmes favoris. Elle semble avoir une prédilection pour le mystère de Noël, ce qui est une caractéristique bien française, et surtout bien de son temps. Maintenant, attardons-nous à la prière à la Trinité et les échos des fêtes liturgiques sous-entendues dans cette prière. À travers le plan de la prière au mon Dieu Trinité que j'adore, nous pourrons y discerner les fêtes liturgiques qui semblent être sous-entendues. Tout d'abord, la prière commence par exposer la Trinité et son mystère, dont la terminologie se rapproche de la transfiguration, parole et lumière. Puis vient un long développement sur le Christ. Elle évoque, pour commencer, la crucifixion et la résurrection, mais avec des termes qui se rapprochent du vocabulaire de la fête du baptême, en particulier lorsqu'elle demande d'être revêtue du Christ, d'être submergée, envahie par lui, pour être transformée en lui. Les fêtes de Noël et de l'Épiphanie y sont bien présentes, puisqu'elles parlent du Verbe de Dieu que l'on écoute, et de se tenir sous l'astre de lumière qu'est Jésus lui-même. Enfin, lorsqu'elle parle du Saint-Esprit, on peut facilement y reconnaître le mystère même de l'Annonciation, attribué à sa propre personne, afin qu'il se fasse en son âme comme une incarnation du Fils. Et plus discrètement se trouve exposé, dans le paragraphe adressé au Père,
l'idée de la fête de l'Immaculée Conception, surtout lorsqu'elle demande au Père de ne reconnaître en elle que le Fils, tout comme Marie, qui par la grâce de sa conception immaculée a pu devenir la Mère de Dieu. Elle demandera également qu'en elle se renouvelle la totalité des mystères du Fils, ce qui a été la grâce de Marie par son Immaculée Conception. Mais alors, pourquoi ces fêtes? À travers la prière en l'honneur de la Trinité, on peut se rendre compte de deux pôles liturgiques qui semblent transparaître. Un pôle autour des mystères de l'incarnation, et plus spécialement l'épiphanie, et un pôle marial, en particulier à travers l'Immaculée Conception. Or, il se trouve que ces deux fêtes ont été des étapes marquantes dans la vie de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. En effet, c'est au cours de l'Immaculée Conception, de cette fête célébrée le 8 décembre 1901, qu'elle a fait sa prise d'habit. Et c'est en la fête de l'Épiphanie, à savoir le 11 janvier 1903, qu'elle fera sa profession solennelle. On voit l'importance de ces deux fêtes dans ces lettres. Il n'est pas impossible de penser qu'il y a ici une logique tout à fait remarquable. Si c'est la liturgie qui la met en mouvement dans sa croissance de vie spirituelle, si c'est la liturgie qui nourrit les étapes marquantes de sa vie de religieuse, alors il est logique que cette dernière transparaisse à travers son œuvre, et en particulier lorsqu'elle s'adresse à la Trinité. La liturgie, à travers ses fêtes, a été pour la bienheureuse Élisabeth de la Trinité un lieu théologique d'expérience spirituelle. La liturgie est devenue lieu d'expérience trinitaire. Et en retour, lorsqu'elle s'adresse à la Trinité, elle réinvestit le langage propre du lieu, de son expérience personnelle. Fondement théologique trinitaire à travers une prière. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité n'est pas une théologienne, mais elle fait œuvre de théologie par sa prière. Sa prière n'est pas liturgique, parce que l'abondance exclusive du jeu la rend trop personnelle, mais cette prière est théologique. Les thèmes qui y sont rassemblés sont théologiques. Tout d'abord, il y a la Trinité immanente. Littérairement, elle est rendue brièvement au cours de l'introduction et de la péroraison de la prière. Elle utilise des termes et des catégories se rapprochant de la scolastique, comme par exemple immuable, éternel. Elle évoque la Trinité immanente en lien avec l'eschatologie, le mystère, la solitude, l'immobilité. En ce sens, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité n'est pas spéculative ni abstraite. Mais il est à noter une particularité, à savoir le mouvement interne de cette prière. Elle évoque le mystère de la Trinité immanente en termes d'abîme, l'abîme de la Trinité qui vient en elle. Il y a un double mouvement qui s'exprime, la Trinité en elle et elle au sein de la Trinité, de l'immanence vers la création. Mais Élisabeth de la Trinité parle aussi de la Trinité économique. Pour elle, il est clair que le salut est œuvre de création, mais une œuvre de création en elle. Le salut va s'opérer en elle. Elle développe en particulier une double christologie et une pneumatologie assez originale. Double christologie d'abord. Mais posons-nous la question, pourquoi une double christologie? Tout simplement parce qu'elle parle du Fils de l'homme et dans une autre partie, du Fils de Dieu.
Pour notre carmélite, le Fils de l'homme est venu pour que nous puissions participer à la vie divine. Le Fils de l'homme est venu pour accomplir une œuvre de rédemption, comprise comme une divinisation de la personne humaine, et en particulier pour elle, puisqu'elle s'adresse à Jésus-Christ. Elle parle de l'incarnation du Fils de l'homme, dans un enracinement total dans l'amour, et cela indépendamment de ses propres difficultés et de ses propres impuissances. Il nous est alors permis de penser que dans l'esprit d'Élisabeth de la Trinité, il y a non-contingence de l'incarnation. En ce sens, elle se rapproche intuitivement de la vision de saint Irénée dans l'Adversus Hereses au livre 4, traitant de la liberté humaine et du sens de l'incarnation. Puisque le Fils de l'homme s'est incarné, il prolonge son incarnation en elle. Mais elle le nomme adorateur, réparateur, sauveur. Ces trois termes ne sont pas anodins. Le Fils de l'homme, en tant qu'adorateur du Père en son âme, la rend participante de la vie béatifique et donc de l'eschatologie, et cela dès sa vie terrestre de carmélitaine. Quand elle le nomme réparateur, elle exprime l'action propitiatoire de Jésus-Christ à travers son sacrifice sur la croix pour le pardon des péchés, qui n'est pas sans rappeler sa formation auprès des pères rédemptoristes et de leur vision néo-janséniste, s'exprimant en particulier depuis 1853 à travers la dévotion au Sacré-Cœur en vue de racheter les péchés de la France en particulier. Jésus-Christ est donc celui qui, lui, pardonne ses péchés à travers son sacrifice sur la croix. Enfin, si le Fils de l'homme est nommé Sauveur, c'est en lien direct avec le mystère pascal. Ainsi, à travers les noms qu'elle confère à Jésus-Christ, Fils de l'homme, elle confère d'une certaine manière celui qui l'introduit dans la vie eschatologique, celui qui lui accorde le pardon de ses péchés, celui qui lui accorde le salut. À travers lui, l'œuvre de la rédemption s'accomplit en son âme. Ensuite, elle parle du Fils de Dieu, en particulier en tant que Verbe. Verbe éternel, parole de mon Dieu, dira-t-elle. Mais c'est une parole qu'elle écoute, qui enseigne, qui permet d'apprendre. Le Fils de Dieu devient alors moyen de connaissance. La parole devient elle-même lumière pour guider les pas, donc moyen d'approfondissement de la vie morale et de la vie chrétienne. En parlant du Fils de Dieu, elle réaffirme la non-contingence de l'incarnation, puisque cette lumière est don qui est au-dessus d'elle et qui l'élève. C'est en parlant du Fils de Dieu qu'elle déploie ses connaissances et leur enracinement profondément biblique que l'on a déjà évoqué précédemment. La lumière évoque, bien sûr, la connaissance du mystère de la Trinité. Voyons à présent sa pneumatologie. Élisabeth de la Trinité évoque la personne du Saint-Esprit, mais jamais seule. C'est-à-dire qu'il est toujours en lien avec les autres personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit est ce qui permet au Fils de l'homme de s'incarner en son âme. Mais aussi que le Fils de Dieu la couvre de son ombre. Bref, que Jésus-Christ, à la fois vrai Dieu et vrai homme, puisse agir en elle. Dans un vocabulaire proche de la consécration eucharistique, il semble que le Saint-Esprit est ici vecteur d'accomplissement de l'œuvre de rédemption, mais aussi de transformation profonde de la personne humaine, c'est-à-dire la divinisation. Mais elle met le don du Saint-Esprit en lien avec le Père. Il est le don du Père. C'est lui qui envoie l'Esprit afin que le déploiement christologique puisse s'accomplir. C'est le Père qui envoie l'Esprit pour qu'elle puisse devenir un alter Christus selon les promesses baptismales. Enfin, évoquons la question de l'union hypostatique. Élisabeth de la Trinité, au sein de cette prière, met en lumière une manière originale de percevoir les relations hypostatiques.
Le Père envoie l'Esprit Saint en son âme afin qu'il y ait l'incarnation du Fils de l'homme et du Fils de Dieu. Tout cela pour se transformer en un alter Christus, ce qui est le propre de la vie baptismale. Ensuite, c'est l'Esprit Saint qui permet à Jésus-Christ de prier le Père en l'âme de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Le Saint-Esprit est ici vecteur de communion et de circularité. Grâce à lui, du mystère immanent de la Trinité peut se déployer l'œuvre de salut dans l'histoire de Jésus-Christ et celle-ci se prolonger dans l'histoire même de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Et de son histoire personnelle, grâce à l'Esprit Saint, tout retourne dans le mystère immanent de la Trinité. Donc nous avons un mouvement Trinité immanente, Trinité économique, retour à la Trinité immanente. Ainsi, même si Élisabeth de la Trinité est profondément christocentrique dans son expression, il n'empêche qu'il y a un équilibre avec les deux autres hypostases. Elles sont discrètes, mais leurs actions sont essentielles. En tout cas, nous voyons que cette prière au mon Dieu Trinité que j'adore, dans sa rédaction, la théologie trinitaire est ici profondément baptismale. Or, l'association Trinité et baptême n'a-t-elle pas été chantée et louée par les pères de l'Église? Ce lien Trinité-baptême, Trinité et œuvre des sacrements de l'initiation chrétienne, ne sont-ils pas les échos lointains de l'enseignement des pères de l'Église? Ouverture trinitaire et anthropologique. En conclusion, de ce parcours fait à la fois sous l'angle d'une analyse de type musical, à travers le double fondement scripturaire et liturgique, mais en découvrant également la théologie trinitaire à travers la prière, nous pourrions émettre quatre remarques. Tout d'abord, en ce qui concerne l'expérience trinitaire sous-jacente à cette prière. On peut se rendre compte de la richesse impressionnante et de la cohérence interne de l'ensemble. Ce qui est écrit est en lien avec la tradition et l'enseignement de l'Église, à travers l'histoire en ce qui concerne la Trinité. En ce sens, ce qui est écrit peut être qualifié d'authentique. Ce qui est curieux, c'est la finalité de cette prière à la Trinité. Devenir un alter Christus. Or, cette finalité est profondément en lien avec les sacrements de l'initiation chrétienne. Il est alors possible d'envisager cette prière « Ô mon Dieu Trinité que j'adore » comme une prière trinitaire, permettant de nous replonger dans les grâces reçues par les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est une prière qui nous replonge dans notre vocation d'être chrétien, en communion avec le mystère trinitaire. Ce qui la met donc dans une relation familiale, lointaine certes, mais bien réelle, avec les pères de l'Église. Ces derniers ont été les plus grands théologiens du baptême, de la chrismation, de l'Eucharistie, bref, des sacrements de Pâques, les sacrements de l'initiation chrétienne. Toute la théologie des pères de l'Église est profondément baptismale, à la fois à travers les constitutions apostoliques, mais aussi à travers les homélies, les catéchèses. Cette prière trinitaire, ô mon Dieu Trinité que j'adore, est comme une sorte d'écho, de résonance lointaine de cette théologie baptismale des pères de l'Église.
Cette prière confère à l'Esprit Saint, tout en ne lui accordant que peu de mots par rapport au Fils, mais une place résolument novatrice pour l'époque. Il joue un rôle déterminant dans l'économie du salut, affecté à notre religieuse et par conséquent à nous-mêmes, en tant que vecteur permanent de communion et d'actualisation du mystère, si l'on peut utiliser cette expression. La deuxième remarque concerne son désir de ne pas laisser Jésus-Christ seul en elle. Ce qui n'est pas sans évoquer la théologie augustinienne, dont elle semble comme imprégnée à son insu. Mais sa prière trinitaire est en même temps profondément anthropologique, puisqu'elle s'inscrit dans une composante qui englobe l'être humain. Cependant, cette prière peut avoir deux limites tendancieuses, celle de l'enfermement et celle de l'individualisme. Enfermement parce qu'elle est exclusivement centrée sur elle-même, et il y a comme un phénomène de repli sur soi. N'est-ce pas, finalement, la limite de la vie dite intérieure, puisque par principe, la vie dite intérieure est un retour sur soi-même. Cela se passe tellement en elle qu'à la fin, on peut se couper totalement des autres. Et puis, il y a corollairement le danger de l'individualisme, parce que l'on peut faire de l'expérience trinitaire une expérience immédiate, sans aucune médiation ecclésiale, sous quelque forme que ce soit. La troisième remarque que je peux faire pour répondre à la première objection précédemment notée, c'est que l'œuvre entière d'Élisabeth de la Trinité montre bien qu'en assumant les postures décrites dans sa prière, pouvant rapidement donner lieu à une interprétation de repli sur soi, elle assume complètement son humanité et que c'est cette expérience spirituelle qui oriente son agir. Un grand nombre de lettres en témoignent. En fait, cette vie intérieure lui permet un rebondissement dans l'agir. La vie intérieure la met dans un mouvement de conversion pratique. La quatrième remarque que je peux faire pour répondre à la deuxième objection précédemment notée, c'est qu'elle ne se coupe pas du monde. Au contraire, c'est son expérience trinitaire qui l'ouvre et qui lui donne un mouvement, un élan vers les autres dans un esprit de communion. C'est l'expérience trinitaire accueillie de manière authentique dans son histoire personnelle qui semble devenir en elle un ferment de communion ecclésiale. Combien de lettres adressées à sa sœur témoignent de cette communion profonde qu'elle vit avec elle, à travers la prière trinitaire et en particulier l'adoration eucharistique? Et bien sûr, combien de lettres témoignent du profond sens de la vie ecclésiale vécue au sein même de sa communauté du Carmel avec les autres sœurs carmélites. C'est donc au cœur de ce qui constitue son individualité, dans sa plus stricte expression, que l'on nomme le fort interne, qu'elle fait une expérience trinitaire qui fonde et initie un agir communautaire avec les autres personnes. À nous de laisser résonner dans notre vie cette musique. Peut-être y entendra-t-on d'autres harmoniques. Je vous remercie.